Comment en êtes-vous arrivée à enregistrer des livres? Je suis arrivée à enregistrer des livres parce que j'ai arrêté de travailler et je me suis dit que je voulais quand même faire quelque chose et surtout ça m'intéressait de faire du bénévolat. Et j'avais une amie qui lisait à la BSR. Oui. Alors je me suis renseignée et comme ça j'y suis entrée avec grand plaisir. Voilà. Vous avez passé le test? Voilà. Oui, j'ai envoyé mon CD. J'ai mis beaucoup de temps à choisir le texte que j'allais lire. Et ensuite, je l'ai envoyé, j'ai attendu peut-être un mois jusqu'à ce qu'on me contacte. Je me suis dit, bon, ben, ça tombe à l'eau. Et puis là, on m'a contacté, on m'a dit que ma voix plaisait. Alors, je suis allée à Lausanne pour une audition. Et puis, voilà, puis on m'a mise au courant de l'activité de lectrice. Et oui, on vous a fait le petit speech. Mais j'avais l'intention de lire à la maison initialement. Et quand je suis arrivée à Lausanne, on m'a indiqué que le programme n'allait pas sur Mac. Alors, ça m'embêtait d'acheter un PC, mais on m'a dit, mais il y a une place le lundi après-midi, si vous voulez venir. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Comme ça, j'y vais pour 2 heures, je repars à 17 heures et j'ai fait mes 2 heures, 3 quarts de lecture et je suis contente au moins. Il n'y a pas la contrainte de faire attention qu'il n'y ait pas de bruit autour de moi. Et puis, c'est aussi très sympathique de rencontrer les collaborateurs et collaboratrices de la BSR. Et aussi, quand on a un petit problème, ça dépanne très, très bien. Oui, au secours, ça marche pas. Exactement. Je sais plus comment on fait. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Oui, la structure, tout ça. C'est vrai qu'ils ont l'air très très chaleureux, donc ils doivent être contents de voir un peu les lecteurs. Oh oui, c'est une équipe très 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 sympa. Comment préparez-vous un livre à enregistrer? D'abord, on va le choisir chez Giovanni, notre cher bibliothécaire, qui a une montagne de livres sur sa table, sous la table. Alors, il y a un choix énorme. C'est fantastique. Il nous conseille très, très bien. Il nous oriente vers ce qu'on aime. Et parfois, il nous demande, est-ce que vous voulez lire ce livre? Parce que c'est une demande d'un lecteur, d'un auditeur ou d'une auditrice. Alors, il n'y a pas de problème. Et parfois, est-ce qu'il y a des auditeurs qui disent, je voudrais, si possible, que ce soit ce lecteur ou... Il paraît, ça, je ne le sais pas, mais il paraît, oui, que certains lecteurs aiment bien avoir les livres lus par certaines personnes plutôt que d'autres, ou par des hommes plutôt que des femmes, voilà. Ou l'inverse, par des voix. Je sais qu'on cherche des voix jeunes. Eh oui, ceux qui voudraient peut-être, mais ils ont moins de temps. Voilà, justement, ils ont moins de temps. Alors, je crois que 2 soirs par semaine, la bibliothèque est ouverte jusqu'à 20 heures. Comme ça permet à des gens qui travaillent toute la journée d'aller encore lire en fin d'après-midi, ou peut-être des étudiants, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'ils cherchent Oui, et pour proposer des plages horaires en dehors, justement, des heures travaillées. Exactement, parce qu'il y a 3 cabines, elles sont très très prises. En même temps, il y a quand même des lecteurs bon, qui sont plutôt jeunes, d'accord, mais qui ont des voix quand même assez dynamiques. Hein. Ah oui. Bah, vous, par exemple. Il n'y a pas que vous. Mais ça ne s'entend pas tellement dans les lecteurs de la BSR, ils sont quand même très dynamiques. Ah oui, très très dynamiques. Il y a des voix magnifiques. Ouais. Des fois, j'écoute les extraits. Et oui, sur le BSR Actu. Voilà, exactement. C'est très, très agréable à entendre. C'est des hommes, par exemple, c'est fantastique. C'est vrai qu'ils ont... Ouais, les hommes, il y a beaucoup d'hommes sympas qui ont des voix très sympas. Chaudes, oui. Comme ça, des voix chaudes, des voix qu'on a envie d'entendre. Moi, ce qu'on me reproche, c'est que je lis vite, parce que je fais tout vite. Ah bon? Ben moi, je ne vais pas vous le reprocher, parce que j'accélère quand ça ne va pas assez vite. Ah bon, vous accélérez aussi, hein. J'ai entendu dire que les lecteurs accélèrent. Oui, moi, je le fais. Rythme. Je le fais. Oui. J'accélère peu. Une autre lectrice de la BSR qui s'appelle Sandrine Strobino, je ne sais pas si vous la connaissez. Non, de elle nom, lit un petit peu vite, mais moi ça me va justement et je l'accélère moins. Ah, je vais aller l'écouter. Ah bah oui, c'est vrai. Me comparer à elle ou qu'elle me se compare. Sa vitesse. Oui, parce que vous pouvez sur le... Ça c'est chouette aussi sur le site, on peut écouter des extraits. Oui, justement. C'est très très bien. Vous disiez donc que Giovanni vous aidait à choisir. Et après, est-ce que vous lisez le résumé? Oui, quand même. Et puis surtout, le caractère d'écriture. Ah oui. Alors avant de lire un livre de poche, ça ne me posait pas de problème. Maintenant, oui. Alors hier, j'ai choisi un nouveau livre et alors j'étais très contente parce qu'il avait de grands caractères. Ah. C'est quand même plus facile pour moi en tout cas. Il y a eu une autre personne qui me l'a dit, qui regardait la taille des caractères. Si. Ah oui, ça, maintenant je me fais tout prendre. J'avais 3 livres à choix, ça m'aurait bien plu de lire un autre, mais j'ai dit non, alors je prends celui-là, et puis finalement il est très intéressant aussi. Ça va. Et vous avez choisi quoi? Nina, de Frédéric Lenoir et Simonetta Greggio. Ah. C'est une histoire d'amour non vécue. Ah, j'aime bien le libellé. Ouais. Il voudrait se donner la mort, et avant de se donner la mort, il a 40 ans, il revit toute cette passion qu'il n'a jamais exprimée. Ensuite, donc, est-ce que vous le préparez un peu ou pas du tout? Non, pas du tout.
Je sais que certaines collègues prennent le livre à la maison, elles le lisent à l'avance, mais non, moi je peux Ouais, pas. non, mais il y en a qui préfèrent, il y en a qui veulent pas parce que. Oui, je respecte. Ben, voilà, mais c'est chouette toutes ces méthodes. Arrive-t-il que vous proposiez des livres à enregistrer à la BSR? Oui, alors une fois, j'ai proposé un livre parce qu'on avait suivi une conférence avec mon mari de Charles Palland. C'est un juif polonais qui a fait les camps de concentration. Il a maintenant 91 ans et il a écrit un magnifique livre qui s'intitule Je croise au matin. Il parle de tout ce qu'il a vécu et c'est très, très poignant. Et déjà, la personne en elle-même est extraordinaire. À son âge, il s'exprime magnifiquement bien et c'était très poignant. Alors, j'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Donc, il a été déporté à Auschwitz et puis il a été rescapé de Buchenwald, Ah malheureusement sans sa mère, son frère et sa sœur qui qui ont été ah exterminés. oui, il n'y a que lui. C'est un juif polonais, malgré ce nom-là, Oui, Palland. c'est vrai que ça fait pas du tout. Mais c'est un nom polonais qui se traduit par ping-pong. Avec sa mère, son frère et sa sœur, ils sont allés rejoindre son père à Paris, mais lui était dans le ventre de sa mère parce qu'elle était enceinte. Donc, il est né à Paris en 1922. En 43, il a été pris par la Gestapo et c'est une histoire Et poignante. justement, est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu de mal à l'enregistrer? Est-ce que vous avez dû vous interrompre? Oui, parfois c'est très émouvant, oui. Ces camps de concentration, mais c'est terrible. Les chambres à gaz et tout ça. Et puis les familles séparées, les enfants d'un côté, les parents de l'autre, les femmes d'un côté. Oh, c'est Et terrible, malgré oui. ça, parce qu'on le sait avec tous les témoignages, mais malgré ça, ça fait toujours, Toujours voilà, touchant. et puis ça fait toujours mal d'entendre comme ça a pu être. Il dit, je suis là pour perpétuer la Shoah, pour qu'on sache, pour qu'on n'oublie pas toute cette extermination de Et Juifs. qu'on ne le reproduise pas. Alors j'ai trouvé ça très touchant et je me suis dit, tiens, je vais demander à Giovanni si je peux le lire. Alors, après, non, maintenant je lis les livres. Il y en a tellement, vous savez, quand on a. Parce qu'il achète les derniers livres sortis, alors c'est très intéressant. Ouais. On a toujours envie de lire. Partie technique. Faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Ah oui, là j'en fais beaucoup. Hier, pas, parce que c'est écrit gros, c'est facile à lire. Alors j'étais vraiment contente. Mais sinon, oui, j'en fais beaucoup et je corrige beaucoup. Et j'essaye que ça ne s'entende pas. Oui, ça dépend aussi de l'état dans lequel on est, si on est fatigué, si le sujet nous plaît. Ou... Et ça vous agace pas? Si, des fois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Mais j'ai lu si peu de pages en 2 heures et demie, c'est vraiment honteux, quoi. Et je pense que ça tient aux corrections Et oui, parce aussi. qu'il faut revenir. Il faut revenir, il faut corriger, il faut contrôler si c'est net comme correction, parce que des fois j'écoute à nouveau, puis je me dis, tiens, on entend la correction, Ah ça se ouais, passe mal. zut. Vous remarquez certaines erreurs, mais est-ce que la BSR vous a fait remarquer ce que j'appelle les erreurs inconscientes? Oui, je vois de quoi vous parlez. Vous savez, on a chacune notre carton avec notre nom à écrire en grand, c'est très sympathique, sur 3 ou 4 étagères. Alors parfois, bah, j'ai ouvert le carton et j'ai vu, voilà, merci pour la lecture, mais il faut reprendre ce petit passage et tout ça. Parce qu'effectivement, on prend un mot pour un autre, et ça, on n'entend pas, quoi. Et on s'en rend pas On n'est pas compte. conscient. Non, pas du tout. Ça, C'est c'est. fou. Ça me venait pas à l'esprit. Et puis un jour, un lecteur me l'a dit, et puis ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, ça m'étonne pas en fait. Mais je me demande, sur un livre de 350 pages, comment est-ce qu'ils arrivent à retomber juste sur cet endroit-là où il y a eu cette faute, quoi. C'est une Et chance. ouais, ils réécoutent pas tout, je crois. Hein. Ils font. Non, pas Non. tout. Les débuts de chapitre, les fins de Et chapitre. puis 20 pages au milieu. Ils en ont peut-être raté d'autres. Oui, certainement. On m'a redonné à écouter, enfin, juste dans une journée de Ah formation, un extrait de mon livre et je n'ai pas supprimé ce que je voulais corriger. Ah! Mais juste Et là, vous là-dessus. l'avez bien entendu que c'était. Oui. Oh, j'ai du Ah, mal, c'est ça. vrai qu'en plus, avec le recul, des fois, on l'entend mieux. Oui, alors là, ça s'entendait très bien. Ah! Ah, maintenant, vous le ferez mieux. Ils disent toujours, d'ailleurs, ils nous disent, réécoutez-vous, réécoutez-vous, c'est pas la vitesse qui compte, c'est le côté soigné de la C'est vrai. lecture. Depuis qu'il y a des formations, est-ce que vous arrivez mieux à corriger certaines erreurs? Est-ce qu'on vous a pointé d'autres choses? Ah oui, on apprend chaque fois de nouvelles choses, et des aspects qu'on pourrait améliorer et tout. Mais c'est difficile quand on retrouve son livre, qu'on est de nouveau devant le micro et tout, on est pris par la lecture. Mais hier, par exemple, comme on me reproche de lire très vite, je me suis dit, tiens, Manuel, alors, ralentis un peu. Alors, j'ai fait un peu attention. Je sais pas, je vais réécouter quelques pages lundi prochain, je verrai si c'est J'aimerais mieux, quoi. voir ce que ça fait. Faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Alors, non, je tiens mon livre dès demain. Je suis assise sur ma chaise. Je ne fais pas de Ah, vous mouvement. faites partie des rares. Je vais peut-être vous.
faire grâce de ma question récurrente sur les accents, parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, toujours, toujours, oui. Je pense à vous maintenant, chaque fois que je lis quelque chose. Mais je me demande, du coup, si je ne dois pas faire partie de la minorité pénible, parce qu'il y a plein de lecteurs, en fait, qui les mettent, les accents. Donc, je me dis que ça doit être demandé. Vous parlez, par exemple, d'un mot italien oui, voilà. qu'on dit qu'on francise. Ben ouais, parce que je trouverais moche de dire, par exemple, notre bibliothécaire s'appelle Giovanni. Je trouverais ça affreux. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais il y en a plein qui font ce genre de choses. Alors, je me dis, je dois faire partie de la minorité chiante. Non, 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 c'est pas la minorité parce qu'on nous l'a dit. Ah, on vous On l'a nous dit l'a dit aussi. oui, qu'il ne fallait pas nécessairement prononcer. C'est vrai, il faut plus ou moins prononcer à la française, sauf si Ça c'est. dépend. Ce que disait Isabelle Albanaise était très juste. Il faut dire comme on dirait dans la conversation. Mais c'est ça, elle a raison. Il faut Oui. dire comme on dirait dans la conversation. J'ai rarement vu des gens qui me disent « Tiens, je reviens de New York ». C'est pour ça que je le demande en fait au lecteur. Pour éviter le désagrément des tournures de page et donc du fait de devoir couper les bruits ou faire attention, est-ce que vous seriez prête à lire sur une liseuse? Je vous dirais franchement que j'aime bien le livre, j'aime bien le papier, tenir mon livre, mais ce serait peut-être envisageable. Parce que quand le caractère est gros comme celui du livre que j'ai pris hier, on est tout le temps en train de tourner les pages. Ouais. C'est des phrases qu'il faut couper. Imaginez-vous, ce livre, il a 285 pages, il a 80 chapitres. Ah oui, donc allez hop, on tourne. Mais en plus, avec la liseuse, vous pourriez même prendre des livres où sur le livre c'est écrit petit, mais parce que vous pourriez adapter vos caractères. Maintenant que vous me posez la question, je crois que je vais y penser. Vous savez, il faut toujours quelqu'un qui me stimule, moi, parce que sinon je reste dans mon train. Mais on est. Mais après, alors, quand je suis adepte, alors Ah je ouais, croche. mais on est beaucoup à être comme ça. Des Oui, vous aussi. fois, il faut un petit coup de pied. C'est comme ça qu'on évolue. Mais oui, à part pour le livre de Charles Pallon, vous est-il arrivé d'interrompre votre enregistrement parce qu'un passage vous choquait ou vous émouvait? Là n'était pas la question, mais c'est parce qu'il y avait très peu de ponctuation. Alors je trouvais impossible à Ah lire. Donc malgré la structure que j'avais déjà faite, les deux pages que j'avais lues, je les Ah ramenais oui, toutes là, les vous deux. l'avez même pas un petit peu interrompu, vous l'avez carrément arrêté. Oui, parce qu'alors ça c'était trop difficile à lire. Il faut du souffle. Et puis, le lecteur, du coup, est obligé, malheureusement, de placer un peu de ponctuation. Et là, peut-être que vous disiez, Voilà. non, Si l'idée dure trois lignes. vous l'avez carrément rendu. Giovanni nous dit toujours, écoutez, vous choisissez un livre, mais si vous n'entrez pas dans le livre, si ça ne vous plaît pas, ne vous forcez pas, ramenez-le, il y en a bien d'autres. Parce que c'est vrai, si on a 350 ou 500 pages à lire et qu'on n'entre pas dans le bouquin, c'est Il a difficile. raison parce que si ça vous plaît pas, alors déjà vous faites ça, enfin voilà, mais si ça vous plaît pas, si c'est une corvée, mais quelle horreur, il faut pas. Voilà. Et après, est-ce que ça vous est arrivé d'interrompre, puis de recommencer, mais d'interrompre parce que vous étiez ému? Ah oui, alors ça oui. Quand j'ai lu Soleil noir de Claude Lonfa, là, alors oui, j'étais très émue. Il fallait que j'arrête. Parce qu'il y a des passages d'ailleurs au rang. On l'entend un peu. Et on entend un peu, on sent mon émotion. Mais c'était un magnifique livre. Si vous avez l'occasion de le lire, c'est Et très oui, beau. C'est très beau, d'abord, c'est l'histoire d'une vie, c'est de la réalité. Et puis, c'est très émouvant, mais c'est très bien tourné. C'est plein d'espoir, c'est par rapport à la transplantation d'organes. j'avais vu le résumé, ça avait l'air très dur. Oui, dur comme Oui, histoire, voilà c'est l'histoire. affreux. Mais il a retourné tout ça dans des situations tellement positives. D'ailleurs, je l'ai connu et ça m'a fait très plaisir. Et on s'est vu deux, trois fois, on reste en contact. Et c'est très, très sympa parce qu'il est dynamique. Et maintenant, il donne beaucoup de conférences, il va dans les écoles. Il parle de la transplantation d'organes, de la vie des non-voyants, de ces maladies-là, de tout. Et dans les écoles, les enfants sont médusés, quoi. Puis les questions qu'il lui pose, c'est Mais c'est incroyable. bien parce que ça doit un peu leur ouvrir l'esprit. Ils voient qu'il y a autre chose. Voilà, Les exactement. enfants, et à cet âge-là, ils sont très observateurs et ils veulent Absolument. comprendre. Et Oui, absolument. De très nature, comme ça, il pose des questions tellement sensibles. dans certains livres que vous avez enregistrés, vous avez enregistré Diamant Brut. Je ne me risquerai pas à prononcer le nom de l'auteur. Ah oui, moi non plus. Non, alors ça, c'est Non. imprononçable. Et d'ailleurs, tiens, Yvette. faudra que je vois comment vous avez fait à l'enregistrement. Oui, je sais pas, je me rappelle pas. Alors apparemment, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline. Elle est orpheline, elle est à l'assistance publique et l'assistance publique la place dans les fermes, différentes fermes où elle est maltraitée, où elle est traitée de. Oui, elle est la souillon, elle doit tout faire jusqu'au jour où une famille parisienne, dont Monsieur Zervos est éditeur d'art,
la remarque et veut l'adopter. Alors, ils la prennent chez eux. Et alors, elle a des contacts avec Picasso, Braque, Éloire, René Char. Donc, autant dans la peinture que dans la poésie. Et c'est une fille très, très ouverte et qui adore ce monde-là, ce monde des arts et de la poésie. Alors, elle vit entre Vézelay et Paris. C'est dans les années 38-50, pendant l'occupation. Oui. C'est une œuvre littéraire vraiment rare et puissante. Ça, si vous avez l'occasion de la lire, ça vaut vraiment la peine. C'est magnifique. Voilà, bah, c'était ce que je voulais vous demander. Vous avez enregistré Chasseur de tête. Je crois que c'est un policier. Non, c'était bien aussi, c'était bien. Je ne me souviens pas vraiment, je ne pourrais pas vous donner de détails sur la trame, mais... Vous avez enregistré L'amant de Patagonie, d'Isabelle Autissier. J'ai beaucoup aimé. C'est donc un livre qui n'est pas très volumineux. Oui, c'est vrai. Je pense qu'elle aurait dû approfondir certaines choses, mais je ne savais pas trop quoi. Et moi, je l'ai peut-être aimée parce qu'elle a fait un survol de tout. C'était vite. Oui, parce qu'elle a effectivement, elle a abordé tous les thèmes. Hein. Alors après, si le thème vous intéresse, j'en ai lu un autre et je trouvais que là, c'était mieux approfondi, qui s'appelle L'autre rive du monde, de Géraldine Brooks. Et justement, il a été enregistré à la BSR aussi. Celui-là, elle l'a voulu moins volumineux que les autres. J'ai beaucoup aimé ces descriptions, cette vie sauvage, cet amour qu'elle avait pour cette année qui... venant de l'Écosse à 16 ans et tout. Et c'est vrai. Et puis d'être au banc de la société parce qu'elle a aimé ce sauvage. Quoi. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez forte, la narratrice. On dirait pas au début, elle a l'air toute chochotte. Et, puis... et justement, quand elle vit avec lui, à un moment, elle dit que ce qu'elle aimerait, c'est pouvoir concilier cette vie-là et certains avantages de sa vie à elle. Quoi. Par exemple, je crois qu'elle parle de conserver les aliments à un moment... Elle est partagée entre ces deux mondes. Hein. Et elle voudrait que tout le monde cohabite, mais bon. C'est peut-être un peu utopique. Voilà, tout à fait. Un peu le rêve. Ben oui. Vous avez enregistré Jardin des neiges de Roland Lugon-Moulin. Oui, ça, c'est ce Valaisan qui a perdu la vue. Et c'est son fils qui narre ses histoires parce qu'il était prof de ski, si oui, je voilà, me souviens bien. Oui, c'était le chef. Et petit à petit, il a dû laisser sa place et son fils... raconter tous les épisodes des cours de ski, enfin, avec tout ce qu'on peut imaginer entre les moniteurs. Et puis, ce qui m'a frappé, c'était qu'il disait les parents les amènent à 8 heures, c'est pas pour le bien des enfants, c'est pour le bien des parents. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est, on se dit, ah, mais c'est, mais il y en a hein, des comme ça qui. Et il y en a même, c'est le pauvre enfant n'a pas l'âge, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave, oui, c'est pas grave, il peut aller avec les autres. Et puis même, il y en a un qui a été oublié l'après-midi. Ou... Oui. Mais ça doit se passer mais comme oui, ça. Hein. À mon avis, oui, quand on voit certains parents. Celui-là, comme vous, moi je l'ai bien aimé parce qu'il est plein de bonne humeur, malgré tout. Oui. Même quand il raconte des épisodes comme ça, vous avez enregistré Portrait de l'artiste en assassin. Oui, c'était assez passionnant, ça. C'était un policier. Oui. Je crois qu'il y a une histoire d'embaumement. C'est assez terrible, mais c'est un bon polar, quoi. Bon, je ne sais pas si vous aimez Françoise Bourdin. Je ne l'aime plus trop. Elle m'énerve un peu. Par contre, elle a écrit L'inconnu de Pérol. Ça vous dit quelque alors celui-là, chose je l'ai lu parce qu'il est sorti dans le commerce il y a un petit moment. Mais parce que je crois que vous l'avez enregistré, c'est ça? Oui. Ben voilà, c'est un bouquin duquel je me suis souvenue. Oui, tiens. C'était tout ce secret de famille. Oui, et il n'était pas trop mal, parce qu'on comprend pourquoi la mère était comme ça, pourquoi le père aussi. Oui. Du coup, c'est vrai que celui-là était pas mal. Mais maintenant, elle m'agace un peu. Est-ce que vous souhaitez évoquer d'autres livres que vous avez enregistrés? L'art de la simplicité, de Dominique Leroux. C'est philosophique? Oui, c'est sur le désencombrement. Ça doit être intéressant. Oui, le désencombrement, autant pour l'intérieur de l'être humain, parce qu'on est aussi encombré d'un tas de choses, mais aussi dans son environnement. Enlever tout ce qui est de trop, tout ce qui est inutile, tout ce qu'on n'emploie pas. C'est et vrai, tout ça. Je ne sais pas pourquoi on a l'art d'entasser. Oh, c'est affreux. C'est fou. Quelqu'un disait, si vous entrez quelque chose dans votre maison, il faut en sortir quelque chose. Ah ouais, tiens, c'est pas mal ça. Si vous achetez un vêtement, il faut en supprimer un autre, en donner, en jeter et tout ça. Et puis elle disait aussi s'entourer de gens sympathiques pour se libérer l'esprit. Parce que si on a des gens qui sont tristes, enfin, c'est pas toujours possible, je veux dire, hein, mais l'idée... Mais de gens ouverts, c'est ça. Voilà, de gens ouverts, de gens sympathiques. Il y a des jours, oui, où vous pouvez être plus triste, et bon, c'est comme ça. Mais bien sûr. Mais de gens ouverts, qui ont l'esprit critique, sans tout remettre en question, puis qui vont accepter... C'est vrai que les intolérants, moi, j'ai un peu...
J'ai lu, mais j'ai lu pour moi, pour le deuxième livre de Claude Lanfa qui s'appelle Ah Victoire. oui, bah vous pouvez en parler de toute façon puisqu'ils l'ont enregistré. Il est enregistré par un monsieur. Ah, je ne sais plus qui. Tiens, j'irai voir. Tourlinde, Ah, monsieur ah Tourlinde. oui. Il a une voix très, très agréable. Oui, Très. très chaude comme ça. Calme, super Oui. Ah oui, calme. c'est vrai. Alors, ce livre, il est aussi très, très intéressant parce que Claude a voulu exprimer, a voulu faire connaître aux gens ce qu'est la vie d'un non-voyant dans toutes les circonstances de la vie et des jours qui passent, des vacances et tout ça. Ce que ça représente d'être non-voyant par rapport à des Dans notre voyants. société. Et c'est tellement bien écrit, bien tourné. Alors, il parle de ses Oui. expériences qui sont souvent cocasses. Et c'est vrai, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais oui, mais il a eu raison de faire ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas, qui ne se rendent pas compte de ce que c'est. Et quand je l'ai rencontré, c'était très intéressant parce que je lui ai posé justement des questions et tout. Et il m'a dit, tu vois, ça, il ne faut pas faire, ça, il faut faire, ça, tu peux, ça, tu peux pas. Les adultes me disent souvent, mais est-ce qu'on peut employer le verbe voir? Oui. Ah. Bah oui, moi-même, je dis, j'ai regardé, ou je dis, oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là, tiens. Le verbe voir ne me pose pas de problème, mais c'est marrant, il y a plein de questions que se posent les gens, et je préfère qu'ils les posent. Donc c'est bien cette démarche de Claude Lonfa. C'est très bien. Je crois que c'est 12 chapitres, justement, 12 événements dans sa vie qu'il a évoqués par rapport à ce désir de faire connaître ce que c'est que la vie d'un non-voyant Mais par rapport aux il a voyants. bien raison, c'était une bonne démarche. Il donne des conférences et puis il avait mis une fois aux enchères une pierre qu'il a sculptée parce qu'il sculpte la pierre Euler. Cette pierre a vraiment cassé la Ah baraque, quoi. ouais! Il est très apprécié, c'est les standing ovations quand il donne ses conférences, parce qu'il a une façon de s'exprimer, puis un contact tellement facile avec les gens qu'on est tout de suite à l'aise Ah, avec c'est lui. super! Mais vous m'aviez dit qu'il était très souriant! Oui, puis toujours Ouais. positif. Il ne se plaint jamais, malgré tout ce qu'il a eu Oui, dans la vie. bon. Il tourne toujours tout ça d'une façon, c'est jamais alarmiste. Vous avez participé au dernier rapport d'activité. Est-ce qu'on vous Oui? l'a proposé ou est-ce que vous vous êtes proposé? Non, non, on me l'a proposé. J'ai lu d'ailleurs les 2 ou 3 pages des dons, les noms, C'était vous. les dons, les gens qui ont fait des Ben dons, vous oui. avez dû lire mon nom. Et c'est vrai que je me souvenais plus que c'est. Enfin, je sais que vous y étiez parce que je les écoute, les rapports. Oui, Après, oui, je ne oui. savais plus que c'est ce que vous aviez lu. Et alors, ça, c'est bien sympa parce qu'il diversifie les lecteurs des rapports d'activité. Alors, vous Voilà. appréciez. Et sur le même rapport, il y a 2 ou 3 lecteurs. C'est bien sympa. Ah, bah, tant mieux. Donc, si on vous le repropose, est-ce que vous reparticiperez? Absolument, tout de suite. Au tout début, je vous reconnaissais pas, ça m'énervait. Mais je connais cette voix, je connais cette voix, mais qui est-ce? Après, je dis, ça y est, j'ai reconnu. Il y a des voix, quand on les entend pas dans un contexte auquel on est habitué, on a un peu de mal à replacer. Absolument, absolument, ça c'est Parce vrai. que là, c'était pas un livre enregistré par vous, c'était le rapport. Oui, alors ça change. C'était bien On sympa. s'y attend pas. Oui. Allez-vous au BSR Apéro? Non, malheureusement, je n'y suis encore jamais allée. Ce n'est pas par désintérêt, parce que je suis toujours émerveillée des personnes qu'on invite et tout ça, mais bon, c'est un samedi, on a souvent des choses à faire avec mon mari. Et... Mais c'est vrai que quand on a des choses à faire. Puis bon, après, si les personnes invitées, si c'est pas forcément votre tasse de thé, après vous irez pas. Mais c'est vrai que le geste est très sympa. Oui, c'est très bien qu'ils aient mis ça sur pied. D'ailleurs, je crois que ça a bien du Ah oui, succès. apparemment ça a beaucoup de succès. Oui, et puis c'est l'occasion de se rencontrer, de rencontrer des nouvelles C'est ça, des personnes. lecteurs et des auditeurs, apparemment. Voilà, exactement. Marc Champeau fait des petites interviews des lecteurs et des auditeurs et il les met sur le BSR Actu. Oui, j'ai déjà entendu, oui. Sympa. Recevez-vous le BSR Actu sur CD ou le téléchargez-vous? Je le télécharge. Écrivez-vous. Non, Non, non. parce que Je n'écris c'est vrai pas. qu'il y en a qui écrivent. Pour le moment, je profite des écrits des Voilà. autres. Parce qu'il paraît que certains lecteurs et lectrices de la BSR Voilà. écrivent. Ils écrivent et après ils enregistrent, pas toujours, mais ils enregistrent leurs écrits. Vous avez un nom à me Alors, donner? par exemple, ben, il y a Martine Moina. Martine Moina. Oui, mais elle lit Elle énormément, lit hein. beaucoup. Elle étonne tout le monde tellement Oh, elle c'est lit. vrai qu'elle lit beaucoup. Et puis elle fait partie un peu des piliers. Ça fait un moment qu'elle enregistre. Elle trouve encore le Et temps oui, d'écrire. alors elle a écrit un livre qui s'appelle Le Parasol Vert et elle l'a enregistré. Il y a Bertrand Baumann aussi Je ne connais qui pas. a écrit De quoi mes jours sont faits et qui l'a enregistré. Je crois qu'il y en a d'autres, hein. Il y a Isabelle Chabanel. Oui, ça me dit aussi quelque Alors elle, chose. elle en a écrit 2 ou 3 et elle les a enregistrés. Et il y a aussi ben, Jacques Tourlinden. Là Il a aussi. écrit La tête à l'ombre. Est-ce que ce sont des Alors, biographies? en fait, La tête à l'ombre, c'est un roman, mais c'est un peu sa vie. Sauf qu'il Je l'a pense. inversé.
Il raconte, c'est une femme, mais c'est lui. Il disait dans un BACR actu que c'était une femme et qu'il y avait beaucoup de son vécu. C'est intéressant tout ça. Ah oui, j'ai lu. Raté le BACR actu. Oh, mais ça fait longtemps. Moi, j'ai gardé. Je garde les interviews des lecteurs. Et sinon, il y a. Je crois que. Enfin, j'ai fait le tour de ceux que je connaissais. Êtes-vous en contact avec d'autres lecteurs bénévoles? Oui, avec Marie-Louise Barbet. Ah, oui. Il faut que vous l'écoutiez. Moi, je trouve qu'elle a une voix alors, magnifique. C'est vrai, je crois que je l'ai écoutée. En extrait, et j'ai dit, c'est vrai, elle a une voix très sympa, très dynamique et très claire. J'aime bien les voix claires. Et maintenant, il faut que je me trouve un livre qu'elle a enregistré et que j'aimerais lire. Puis j'ai Daniel Schwartz, qui est une amie. Et oui. Avec laquelle j'ai des contacts. Et oui, c'est par elle que vous êtes. Voilà que je suis entrée à la BSR. Ça fait des années qu'elle lit. Oh, elle, oui, je crois, elle aussi, hein, c'est un pilier. Écoutez-vous des livres? J'ai reçu Soleil Noir. Je crois qu'à l'époque, ils avaient le droit de nous en donner un. Mais sinon, d'autres livres. Non, mais justement, je devrais en écouter pour ralentir un peu mon début. Alors, je m'étais promis d'aller en acheter. Et oui, parce que vous avez aussi les livres du commerce. Oui, oui, justement. Mais où est-ce que je les écouterais? Peut-être dans ma voiture et ça me distrairait. Voilà. Si je les écoute sur mon lit, je m'endors. Et pour le reste du temps, j'ai toujours quelque chose à faire. C'est terrible. Si vous voulez comparer, vous pouvez toujours écouter des extraits sur le site de la BSR. Oui, mais c'est frustrant parce que c'est court. Et oui, c'est très court. Ils sont déjà rallongés parce qu'avant, il n'y avait que la quatrième de couverture et maintenant, il y a encore un extrait. Oui, c'est vrai. Ça ne fait pas très longtemps qu'on peut les écouter. Enfin, ça fait quand même quelques années, mais c'est les seuls. Hein, qui... Non, il y a Genève aussi, mais c'est qui propose d'écouter des extraits comme ça. Ah oui. Mais ah les autres, la VH ne le propose pas. Alors, la VH, c'est français. Ils mettent même alors, pas c'est les... difficile. C'est très difficile parce qu'en plus, ils ne mettent pas les noms des lecteurs. Ah, en donc plus. Vous téléchargez parce que le résumé a l'air sympa, mais vous savez pas oh, qui oui. c'est, donc si vous aimez pas, tant pis pour vous. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Une chose très importante, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire votre connaissance à travers Skype ou à travers vos mails, toujours très sympathiques. Moi aussi. Et puis je reste toujours à votre disposition si je peux vous rendre service d'une façon ou d'une autre, et puis j'irai voir votre site avec beaucoup d'intérêt. Ah mais ça c'est gentil. Je l'ai déjà consulté, mais je vais le faire d'une façon systématique. Ah, il est très bien fait, votre site, avec les photos du livre et tout ça. Et puis après, je suis allée lire les commentaires, et puis je suis tombée sur un livre vachement intéressant. Ah, chouette, ça, je vous ai donné une envie de lecture. Mm-hmm. Oh, c'est l'histoire d'un homme qui est steward et qui devient hôtesse de l'air. Ah oui, et puis c'est une histoire vraie, ça, en plus. Oui, c'est une histoire vraie. Oui, c'est Andrea Colio. Alors, j'ai déjà lu jusqu'au 16 août. Parce que finalement, c'est un journal. Oui, et là encore, hein, l'intolérance, c'est fou, elle c'est a eu fou. Du courage. Hein. Ah, beaucoup. Ah non, ça doit être une situation vraiment terrible. Se rendre compte qu'on n'est pas dans le bon corps. Qu'on n'est pas dans le bon corps. Mais quand même, tous ceux qui font l'opération, enfin qui changent, ils disent qu'ils sont tellement heureux après. Malgré tout le passage difficile face aux gens, face à la famille, face à la profession. J'ai beaucoup de mal à comprendre parce que ça ne nuit à personne, que ces personnes qui se sentent mal dans leur peau changent, comme ça ne nuit pas. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre l'intolérance, mais pourquoi cette personne a été rejetée. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.